Salut tout le monde, c'est Frankie de Copper sur Gamer et on se retrouve pour l'épisode 17 de Pokémon version or. Alors qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait battu la Team Rocket qui s'était emparée de la tour radio et on nous avait donné une clé pour pouvoir aller dans le sous-sol pour aller libérer le patron de la tour radio et... merde, je me suis gouré. Notre petit Sonic a évolué en Tyrannosif. Et du coup, on a été arrêté devant la porte et je venais de l'ouvrir avec la clé qu'on m'avait donnée au préalable dans la tour radio. Il faut savoir que je suis malade, que j'ai un peu mal à la gorge et que donc du coup, je suis un peu en PLS quand je suis en train de parler de façon active. Salut toi, ça faisait longtemps, minute. Et je t'ai suivi. J'ai pas besoin de toi pour casser la tête à la Team Rocket. Attends voir. Tu m'as battu avant, non? C'était de la chance, mais cette fois, ça va saigner. Ah bah ok, on se tape le rival. Je vous avoue que je m'attendais pas à me combattre contre le rival. À quelle heure il est? Il est 8h du mat. C'est pas franchement ce à quoi je pensais. Vache. Ah oui, mais là, je suis dans la... une bien belle merde, mon cher ami. Ou peut-être pas, hein, on sait jamais. Ça peut très bien se passer. Oui, ça va très bien se passer. Jette des cailloux. Ouais, ça... je pense que ça va aller. Marie-Antoinette va douiller peut-être un peu. Mais il y a moyen. J'aime pas les combats de spam, je trouve qu'on s'emmerde. Par contre, Marie-Antoinette, c'est mort, hein. Tu reviens plus après. Pas de critique. Ouf. Waouh. Je vous assure que j'ai eu un petit saut au cœur, là. Une petite panique. Merde, un Magnéti. Ah bon, on s'en fout, la Sonic. Ah, pétard. Ah, ça fait 5 jours que je tousse. C'est infernal. Donc, du coup, on va te faire un bon gros coup de feu, et puis on n'en parle plus. Et là, c'est le drame, il survit. Non, on survit pas, Tyrannosif. Ça explique pas mal, c'est bien, je suis content. Bon, il va envoyer son alligator, évidemment. Qu'est-ce que j'ai contre un alligator, moi? Je vais tenter Condorman. Pourquoi pas? 32, en plus, ça va aller. Ça va très bien se passer. Faire un bon gros vol des familles, qu'est-ce que tu comptais faire? Grimace, bah j'ai bien fait. Bah, c'est ok, donc là on va refaire vol. C'était sûr qu'il allait spammer frénésie. De toute façon, quand on commence à faire un frénésie, c'est sûr qu'on va continuer. Donc là, la frénésie augmente, il a spammé. Voilà, mais ça fera toujours pas assez de dégâts. Voilà, je vais refaire vol, je vais le tuer. Ça va très bien se passer. Et puis celui là-haut, il vient de couper sa frénésie, je crois, si je me trompe pas. Je sais plus comment ça marche, la frénésie. De toute façon, il est mort. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'il va envoyer après? Un Spectrum. Qu'est-ce que j'ai contre les Spectrums? Je vais envoyer mon Colin. Ça va le faire XP. Niveau 30, ça tombe très bien, j'ai morsure, j'ai te manger. Ouf, pardon. J'ai bouffé. C'est acceptable. Oh, oh l'animation. Oh non, l'animation, elle est ridicule. On dirait qu'il va cracher un molar ou qu'il a acheté sa petite boule en mousse ou la petite balle qu'on a pour les petits chiens là. On jette la petite balle. Elle était ridicule. Oh mon dieu, Farfuret. Bah, Sonic, mais. Oh pétard. Faut pas me faire rire comme ça, enfin. Vache.
Alors ouais, il a zéro de défense, ça passe. Mais oh la vache. Je repense tellement à l'animation qu'on a aujourd'hui de Ballombre. Quand on voit ce qu'on avait à l'époque. Mon dieu. J'ai pas lu, excusez-moi. C'est incroyable. Attendez, je vais faire le ton. C'est incroyable. Ce qu'a dit Peter est donc vrai. Je m'occupe mal de mes Pokémon. Amour. Confiance. Est-ce aussi important? Est-ce là la raison... Ouais, ça passe. Est-ce la raison de ma défaite? Je ne comprends plus rien. Mais ce n'est pas fini. Pas maintenant. Pas comme ça. Je serai le plus grand dresseur de Pokémon de tous les temps. Merci. Merci, merci. Pas ton réclamation. Je n'ai fait qu'une prestation tout à fait normale. Merde, j'ai laissé Marie-Antoinette. Je m'en fiche si t'es perdu. Si tu viens ici, tu dois être prêt aux conséquences. Aïe. C'est genre... qu'est-ce que tu fais là? Je me suis perdu. Ok. Sauf que là, non, ça passe pas avec lui. Lui, c'est un génie. Je vais tellement prendre un poursuite du futur. Pas poursuite. Je m'attendais tellement à ce qu'il fasse un vive attaque genre... Oh, un kill. Apeuré. Oui, une magnifique. Bien joué, Colin. Bien joué, tu n'as quasiment pas XP. On va peut-être faire demi-tour pour... comment dire? Allez, régène un peu. Parce que Marie-Antoinette, elle est un peu dans la merde. Oh, attendez, il y a un objet là. Oh, la boîte de jetons. Je l'ai seulement maintenant, putain, non. Oh, merde. Regarde, je m'en bats les couilles de ce que tu me racontes. Moi, tout ce que je veux, c'est me barrer et remonter à la surface. Et accessoirement, que Marie-Antoinette ne crève pas. Bon, tant pis, je vais tenter double pied. Ah, meurs, pourriture des enfers. Je prends tellement de risques. Là, je rappelle que c'est un Nuzlocke, malgré le fait que j'ai pas perdu de Pokémon depuis longtemps, mais... Je me balade avec un Pokémon important de mon équipe avec 6 PV. Toi, tu vas me faire quoi? C'est bien évidemment. Je me suis fait virer du casino. J'étais juste en train de tricher avec mon Pokémon. Oui, bah, il est où le problème? Enfin, le problème, c'est justement que t'étais en train de tricher. Ah. Je vais peut-être pas tenter, je vais peut-être pas faire mon fou. Par contre, c'est un level 12, hein. C'est un level 11, ah, nickel, on va mettre... C'est l'occasion d'entraîner Bully. Harder. He's harder. Et moi, je vais faire un coup de corne devenu des enfers et blam. Je suis un peu déçu. Pardon. Frénésie qui passe comme une lettre à la poste. Envoyez-moi le reste. T'as de mort, allez, viens, viens. Viens boire un petit coup à la maison. Par contre, ah non, t'avais fait armure déjà, donc celui-là, normalement, je vais one shot. Respect, Bully. Respect. Greu. Mais en vrai, comment tu peux tricher avec un tas de mort? Je vois pas comment tu peux tricher. Je vois pas comment est-ce qu'on peut tricher dans un casino avec un tas de... Oh putain de merde. Oh, je pourrais le faire. Voilà. La flemme intersidérale. Bon, écoute, tu m'as gonflé. Ça va faire quoi? Ça va faire 4 vidéos que je vais dire ça, mais... Enfin, ça fait 4 vidéos que je dis ça, mais j'aimerais bien entraîner Bully. J'aimerais bien que Bully level up.
devienne un peu plus important de mon équipe, pas juste une grosse merde. Mais je reviens pas à la boîte de jetons, quoi, je l'avais pas avant. Remarque, c'est vrai que maintenant que j'y pense, je me souviens pas l'avoir eu. Allez, viens! Ouvre un truc et un autre se ferme. C'est dur d'avancer, hein. Ah oui, c'est le labyrinthe! Pas le labyrinthe, je me comprends, quoi. Les portes, là, comme le jeu labyrinthe, là. Tout un truc, c'est le bordel, c'est tout le temps le bordel. Par contre, en parlant de bordel, le gros tas de mort, ça va pas être terrible à combattre. Ça va être compliqué. Oh putain, les fermures. Ça va le rendre chiant. Oh, quoique, en deux forces, je pense que je le tue. Non, il va peut-être en falloir 3. Non, il va peut-être en falloir 4. Oh la vache, les dégâts. Voilà, ça c'est le truc, il va devenir un énorme tank, mais par contre il me fera rien du tout. Il va mettre une claque à faire. Ah, c'est tout ce que je peux faire. Smogo. On va peut-être pas. Allez Colin. On va XP Colin s'il est level 31. Un petit morsure des familles. C'est fou, Colin, il arrive toujours à mettre midlife, ça c'est. Ça me tue, ça. J'ai jamais aussi bien fait que de galérer pour entraîner un Magikarp. Je n'ai aucun regret d'avoir passé autant de temps sur un Magikarp. Bon, normalement, je pense que je le one-shot, ou peut-être pas. Hein. Ou peut-être pas. Ça va, ça s'est passé, ça s'est passé. Je attaque. Avant de mourir, je te ferai le plus chier possible. Presque level 32. Et on ne passe pas level 32. Zut et flûte. On va switcher, on va mettre Colin devant pour l'XP. Oh putain, il y a trop de monde. Mais il y a trop de monde, je vais... Le labyrinthe, il va me prendre la vie des vidéos, quoi. Les volets te posent un problème. Bats-moi et je te confie un petit secret. Ah bah c'est très gentil. J'aurais même pas eu besoin de le torturer, enfin juste de le battre quoi. Voilà, c'est pour ça que je spam morsure et pas surf. Tout simplement parce que la trouille. Et parce que level 32. Un gros tas de morts, on va rester. Ben on va faire un petit surf du coup pour le coup. J'aimerais bien voir les dégâts que ça fait. Je regrette un peu. Je suis en train de regarder le sprite, il est... Waouh! Ça me rappelle ma vidéo sur Miasmax, là, quand je disais... qu'en fin de compte, gros tas de morts... il est... Enfin, en fin de compte, Miasmax n'est pas si horrible que ça quand tu regardes gros tas de morts. Mais fait t'es dit, quand je voyais ce sprite... Alors, c'est écrit interrupteur 3. Oui, on va l'allumer. Ok. Ils ont abandonné ce projet avant la fin. Je cherche des restes à voler. Ok. Il me fait penser à l'espèce de chat dans les Kirby. Là, il y a toujours un chat avec son sac comme ça qui te vole tes pouvoirs, qui est très casse-couille. Il a exactement le même design. Nickel, un Caninos. On va se faire plaisir.
C'est d'ailleurs bizarre qu'un voleur est un caninos d'ailleurs. Parce qu'en général, les caninos, c'est souvent pour les policiers dans ce jeu-là, enfin dans la série Pokémon. Caninos, Arcanin, Luxray, tous les trucs-là. Mais soit, ils auraient pu mettre un Meowth. Enfin, après, le truc, c'est que Meowth, il était réservé pour la série, à mon avis. Enfin, il était vraiment tu penses à Meowth, tu penses direct au Meowth de la Team Rocket. Si ça avait été la bonne génération, j'aurais dit, mais t'es un chat crippant. Ça aurait bien passé aussi. Mais c'est pas la bonne génération. Bon, du coup, comment ça se passe notre merdier? Ok, je n'ai quasiment rien ouvert. Très bien, on va ouvrir le premier. Qu'est-ce que ça ouvre? Rien, très bien, ça m'a tout fermé, merci. Je vais allumer les trois, ça se trouve ça va marcher. Putain, si ça marche, c'est vraiment du n'importe quoi. Très bien, ça ne marche pas, c'est quand même une certaine logique. Bon, on va couper le 3. Voilà, ça ne marche pas. Très bien. Bon, on va couper le 2. Qu'est-ce que ça donne? Un total soin, très bien. C'est toujours utile. On va aller allumer le 3. Je pense que si on allume le 3, ça va libérer. Je crois que ça va marcher. Je crois que ça va pas marcher. Oh, peut-être que totalement par hasard j'aurais réussi quelque chose. Envoie ton blé. Ok, mais non. Non, j'en ai rien à foutre là, je veux juste passer cette merde. bon bah, surf, écoute. Tranquille. Merde, il a 3 Pokémon. Bon bah, c'est pas mes sœurs. Ouais. Pardon. Je suis encore en train de réfléchir au code là, ça m'énerve. Tranquille. Pitié. Alors, où est-ce qu'on en était, jeune Padawan? Ah oui, on en était là. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette référence. Boule fumée, j'en ai rien à la foutre. Ah, tout grâce. J'ai envie de réessayer d'allumer le 3. Thank you.
A few moments later. Bon. Bon, on va tout désactiver. Voilà, tout est officiellement désactivé. On va essayer de tout réactiver dans le sens inverse. 3, 2. Oh putain. Non. Mais pourquoi c'était si con? Mais non. Oh non. Oh c'est atroce. T'es perdu? Non je le crois pas. T'as pas l'air d'avoir peur. Attends, moi je vais te faire peur. Oh, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. J'en ai marre. Casse-toi Cassidy, j'en ai marre. Merde, un orti. Ah, la galère sur un code de merde. Ah, bon, merci, merci le Axe de me soutenir. Non, par contre je refais pas ça. Vous voyez Condorman, ça m'énerve. Mais non, 3, 2, 1, putain. Putain, après avoir galéré pendant une dizaine de minutes, c'est... J'ai essayé des combinaisons complètement hasardeuses, mais putain. Mais me faites pas ça, merde. Comment oses-tu? Attends, ça fait quoi? Ça coupe tout. Je crois que ça coupe tout. On est où? Non, dans l'entrepôt. Non. Mais on est dans le sous-sol du magasin, là, non? Ah non, ça y ressemble, mais c'est pas ça. Pas un pas de plus. Mes ennemis, j'en fais de la purée à table. Ils ont un problème avec la bouffe. Déjà la dernière fois, le mec qui me disait qu'il voulait me bouffer. Et là, il veut de la purée. Enfin, il veut me transformer en purée pour me manger. Bon, il est plus sophistiqué parce qu'il veut d'abord m'écraser avant. Il sort de me cuisiner. Hein, c'est comme ça qu'on donne du goût. Donc, mais il veut quand même me bouffer dans le fond. Ils ont pas beaucoup de PV. Et un Osferalto, est-ce que j'ai pas un gros truc pour aller mettre Condorman, plus rien à foutre. Sur ce genre de situation, j'aimerais bien dire. Là, un Pokémon, je sais pas trop quoi faire contre ça. Bon, bah on va envoyer Tauros, puis blam. Blam, on le défonce. C'est pour ça que je veux XP Tauros. Il manquait pas grand chose quand même. Hein. On va faire un petit poursuite. Purée. Ta gueule. S'il te plaît, ta gueule. Ouais, on s'en balance. Qu'est-ce que tu veux? Gnac, 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 gnac. Je me souviens de toi. Tu m'as battu à notre première rencontre. Non. Attends. Gnac, 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 gnac. C'est quand même pas... C'est quand même pas le mec qui voulait me bouffer dont je viens de parler il y a deux minutes.
Non. Ça ne peut pas être lui. Et je ne le tue pas avec un vrai courage. Par contre, tu es un beau salopard. Ah, et j'oubliais l'animation qui était... un peu... comment dire... qui était ce qu'elle était. Put... je veux dire, mort bleu. Le pire, c'est que j'allais dire, je refuse de faire demi-tour pour aller dans une infirmerie. Mais je refuse quand même. Tu veux pas me faire un coup de pute par hasard, toi? Tu veux pas tenter indestruction? C'est bien ce qui me semblait. C'est maintenant que tu vas faire destruction. Ça réduit ma précision, je crois, sauf erreur. Ah non, ça me fait la totale, ça me fait des dégâts. Voilà. Gnac, encore. Mais je crois que c'est celui-là qui voulait me bouffer. Par contre, j'ai soigné... comment il s'appelle? Colin. Antigène... non. C'est quoi une bémante? Réveil, je m'en bats les couilles. Un total soin. Osef, on utilise un total soin. C'est fait pour... Comment t'es arrivé jusqu'ici? Bon, tant pis, je dois me débarrasser de toi. Tu te débarrasses des témoins gênants. Bam. Et un smogo, putain. Stop poison, s'il vous plaît, stop poison. Et je suis con, sur le premier, j'allais juste faire surf et je le one-shot, je crois. Ah oui, je suis vraiment grandiosement con. Vous avez vu, j'envoie des adjectifs aussi. Ce qui montre le niveau. Voilà, c'est tout con. Je suis fichu. Oui. Monsieur le directeur, je viens vous sauver. Ah oui, d'accord, il s'est retourné. CD35. Comme tu m'as manqué de respect en te retournant, je regarde c'est quoi la CT35 avant même de te causer. 30... blabla dodo, putain, c'est de la merde. Qui, quoi? Tu es venu me sauver, merci. La tour radio. Que se passe-t-il là-bas? Contrôlé par la Dim Rocket. Tiens, prends cette carte magnétique. Utilise cette carte pour ouvrir les volets du deuxième. Je t'en supplie, aide-nous. Dieu seul sait ce qu'ils feront en contrôlant le transmetteur. Pardon, Arceus sait. Ils pourront même manipuler les Pokémon grâce à un signal spécial. Tu es mon seul espoir, sauve la tour radio, pitié. Sauve tous les gentils Pokémon. Eh bien, vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Et la pièce rune, magnifique, on va avoir du fric. Je m'en bats un peu les steaks du fric. Et effectivement, on a fini dans le magasin, c'est ce que je disais. Voilà, on finit dans le magasin. Et putain, cet arc de la tour radio... Ça m'aura pris quand même 2 ou 3 épisodes pour le... Ça va me prendre au moins 3 épisodes pour faire la tour radio. On peut vraiment qualifier ça d'arc. Pokémon version or et l'arc de la tour radio. Parce que... je crois que ça fait un petit bout. Je vais m'arrêter devant la porte à ouvrir. Alors, si je me souviens bien, elle est là, la tour radio. Tu
Normalement ça doit être l'étage d'après. Perdu, c'est celui-là. Et ben voilà, je vais m'arrêter devant le... La porte à ouvrir. Ce labyrinthe, putain, ce labyrinthe qui m'aura pris la moitié de l'épisode. Enfin après, je ferai un accéléré, donc... je ferai un accéléré et je ferai une coupure, parce que là, c'est vraiment trop long. Et... Du coup, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu, hein, parce que, mis à part le petit moment où je suis perdu... Ouais, c'est vrai que maintenant que je réfléchis, c'est pas passé grand chose dans cet épisode. Du coup, j'espère que ça sera beaucoup mieux la prochaine fois, qu'il y aura beaucoup plus de rebondissements, Du coup, je vous dis à la prochaine pour l'épisode. Alors, ce sera combien? L'épisode 18 de Pokémon Version Or. Salut!